HIS, j'en ai déjà entendu parler, mais c'est quoi exactement? Pour bien comprendre, on va faire un petit peu d'histoire et on va remonter en 1982, puisque c'est à cette date-là qu'un décret relatif au droit syndical est paru, qui indiquait que chaque salarié dans les entreprises peut assister à une réunion d'information syndicale pendant ses heures de travail. Et à la SNCF, ça fonctionne comment? À la SNCF, le statut prévoit que des heures d'information syndicale, qu'on appelle aussi des HIS, soient organisées tous les 2 mois, et ce pendant vos heures de service. Que vous soyez donc agent au statut ou agent contractuel, vous pouvez donc assister à une HIS. Pendant le temps de cette réunion, vous serez considéré comme étant en service, et ce dans la limite d'une heure, trajet compris. À noter aussi que si votre poste vous empêche d'assister à cette HIS ou si aucune HIS n'est tenue dans votre établissement, vous cumulez alors des autorisations d'absence, c'est ce qu'on appelle l'AH. Ok, mais dans ces HIS, on y fait quoi exactement? Dans les heures d'information syndicale, on aborde tous les sujets de l'actualité syndicale, de l'actualité de la SNCF en général, mais aussi de l'actualité de ton service. Par exemple, on peut y parler des conditions de travail, de la rémunération, des notations, des réorganisations. Et aussi, surtout, on répond à toutes les questions que les agents peuvent nous poser en direct. Cool, maintenant que je sais tout, je contacte mon syndicat local UNSA Ferroviaire afin de connaître la date de la prochaine HIS. Je peux retrouver ces coordonnées sur le site de l'UNSA Ferroviaire, les réseaux sociaux et auprès de mon délégué du personnel.